Je m'appelle Kwadio Antoine, j'ai 65 ans, retraité, marié, père de 6 enfants. J'habite à Abidjan depuis 1969. Dans ce quartier, deux plateaux depuis 2003. On fait tout pour ne pas rester oisif. Donc il faut se battre. Dans ce quartier, autrefois, c'était compliqué. On ne pouvait pas dire qu'on avait l'électricité régulièrement. Hein. In recent years, Côte d'Ivoire's economy has become one of the fastest growing in Africa. With increased growth has come an even higher demand for electricity. Between 2003 and 2012, demand increased at a rate of 6% per year, while generation increased by only 2%. Today, Côte d'Ivoire's energy sector is being transformed through CIPREL, the Ivorian Electricity Production Company, which has received significant funding support from the African Development Bank. Je dirais que c'est un projet innovant. Imaginez-vous que avant qu'on ne fasse ce projet-là, projet CIPREL 4 à cycle combiné, nous utilisions des turbines à gaz qui laissaient échapper des fumées à plus de 550 degrés. L'idée a été d'utiliser ces fumées qui sont très chaudes pour produire de l'électricité sans consommer la ressource gaz naturel, ce qui fait une énergie rentable, fiable, économique et écologique. In line with its Light Up and Power Africa strategy, the African Development Bank supports Africa's energy sector and helps bridge a major infrastructure gap that for decades has hindered development and productive business activities. Le projet a été financé avec le concours des institutions financières internationales pour un montant de 200 millions d'euros. La Banque africaine de développement a contribué pour un quart de ce montant, soit environ 33 milliards, 50 millions d'euros. Grâce donc à l'appui de la Banque africaine de développement, nous avons pu avoir la réalisation de ces projets. Aujourd'hui, en termes de puissance installée, la compagnie ivoirienne de production d'électricité est la centrale la plus puissante de Côte d'Ivoire. En matière d'emploi, l'effectif de CIPREL a été doublé avec ce projet. CIPREL m'a permis d'avoir une certaine stabilité au niveau de ma vie professionnelle, d'accord, des connaissances acquises par des formations internes et externes, hein, en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Avant de travailler à CIPREL, mon quotidien était très difficile, il faut le reconnaître. C'est d'avoir un emploi stable afin de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, hein, de scolariser ma famille, mes enfants. Ensuite, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille élargie. De père bijoutier et de mère ménagère, l'objectif de mes parents et le meilleur cadeau qu'ils pouvaient offrir à leurs enfants était de les emmener à l'école. Voyant nos parents dans ce niveau de difficulté, on n'avait pas droit à l'erreur à l'école. Il fallait tout faire pour au moins avoir des bourses pour pouvoir faire des études supérieures, ce que nous avons fait. Travailler à CIPREL m'a permis de travailler dans un domaine qui utilise une technologie de pointe, d'acquérir des compétences dans les domaines techniques, managériels et en leadership. Ce travail m'a aussi permis de me réaliser moi-même. Je suis un modèle, je pense, de réussite. Ils sont fiers de moi. Through the CIPREL Power Expansion Project, the African Development Bank is helping to create new jobs, provide new skills, increase the country's energy generation capacity, meet Côte d'Ivoire's ever-growing demand for electricity, and the bank is strengthening the supply of electricity for millions of Ivorians. L'électricité, quand elle est régulière, on peut travailler à tout moment. Voilà, sur l'ordinateur, le congélateur, etc., tout ce qu'on a. Bien, notre quartier, il faut dire qu'il est bien éclairé. On peut sortir la nuit, revenir à tout moment, aucun souci, faire des dangers. Je pense que ça améliorerait beaucoup de choses. Ça nous a donné beaucoup.